Hello tout le monde, ici Gamer King pour ce nouvel épisode de notre let's play sur Zelda Twilight Princess HD. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super comme d'habitude. Ça fait depuis vendredi passé que je vous ai pas tourné. On est rendu jeudi, ça fait à peu près une semaine. Je suis content de vous retrouver sur Zelda, enfin. On peut avancer. J'ai 189 rubis. Dans le dernier épisode, on a tout simplement sauvé Colin des griffes des Moblins. Et voilà. Et on a été chercher les bottes de fer tout simplement avec Link qui a l'air fâché comme d'habitude. Parce que dans le monde de la mort qu'on voit là-bas, voilà là-bas, le monde de la mort qui est super bien fait, je trouve. J'ai un peu mal à la gorge, je suis désolé. Se trouve en fait que les Gorons sont rendus hostiles. Donc il faut qu'on les défend. Il faut qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe. Puis on a récupéré Epona. On a appris à faire du sumo aussi. J'avais oublié avec les bottes de fer. Et on va aller là-dedans parce que qui dit Goron dit feu. Et qu'est-ce qui dit feu? Dit que bouclier en bois inutile. Donc, on va lui parler. Ben voyons donc. Je crois qu'il va falloir que tu revoies ta conception du libre-service. Pourquoi? What? Ce bouclier est un article de la boutique et il coûte cher. Si tu le veux, fais briller de l'iribie. L'ancien propriétaire n'était plus de ce monde, j'ai décidé de reprendre cette Aesop. Fait bon, ok, on s'en fout. 200! Bon, il m'en reste 10. Ah, on ferme la balle d'air. Ok, il m'en reste 10. Je vais essayer de les récupérer. Je ne sais pas s'ils ont pop au village en fait. Parce que je vais avoir ce bouclier-là avant de... ouais, c'est ça. Je vais avoir ce bouclier-là. Je pensais à quelque chose, mais je pourrais pas. Je voudrais avoir ce bouclier-là avant d'aller à la mine. Tout simplement que ce bouclier-là est immunisant, en guillemets, contre le feu. Et ça me permettrait de... Non, je veux pas parler. Oh non! Oh, Monsieur Link, voilà le courrier des Galeries Baldur. Mais on s'en fout. Ouais, dégage. Va-t'en. A plus. Je ne sais pas comment récupérer des rubis. Il faut que je trouve. C'est fou. Puis je pense que j'ai tout récupéré dans... Je vais essayer de récupérer avec eux autres. Ceux-là. Ces mobs-là. Je vais essayer. Parce que je veux récupérer... Bon, un rubis vert. Oh, ouais, ça peut être cool. Salut. Allez. Je veux juste voir un rubis bleu, ça c'est parfait. Je vais peut-être l'avoir en fait. Allez. Non! Gros. Con. Il me reste juste 5 rubis. Allez, donne-les-moi. Bon, un rubis vert. Ouais, ça peut aller, mais je voulais un rubis, il nous reste 4 rubis, donc on va pas chipoter pour si peu. Tellement compliqué à dire comme phrase, parce qu'il y a tellement de si, puis c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, descend. Merci Link. Lui, il me frappe sans aucune raison. Mais je voulais un rubis, bon. Il m'en a pas donné, malheureusement. C'est triste. Mais c'est la vie. Le début d'épisode le plus passionnant. Honnêtement. Vous n'aurez jamais vu ça. Sauf sur ma chaîne. Voilà, c'est tout. Je sens qu'il n'y a aucun vidéaste youtubeur qui a fait ça, là. Aussi passionnant que ça. Lui, il me pond des crottes. Mais je m'en fous de ses crottes.
Donc je vais encore continuer à chercher encore 3 rubis. J'aurais dû le faire avant de commencer l'épisode. Mais là j'ai la flemme d'appuyer sur le bouton. Par là il y en a un. Allez, il nous court après en plus. Il fait, ah je vais mourir. Allez donne-moi un rubis, n'importe quel. Oui, 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 bon, ok. Bon, je peux avoir le bouclier, enfin. C'est cool, on y va. On s'en va chercher le rubis. On s'en va chercher le bouclier plutôt. Comme ça, aller Epona plutôt. Bref, c'est. Désolé, c'est pas très passionnant comme début d'épisode, mais je voulais avoir en fait le bouclier que Baldur nous vend. Ça me permet de d'éviter que mon bouclier de Toll brûle pour rien. Parce que, en fait, les mines Goron, je vais vous le dire, c'est le deuxième donjon, donc c'est un donjon de feu. Et pour protéger un petit peu mon bouclier, ça me tente pas de le brûler. Parce que les boucliers de bois dans Zelda, ça brûle. Voilà. C'est très logique, mais c'est vrai. Je vais aller désolé, j'arrive pas trop à parler. Ça fait trop longtemps que je n'en ai pas tourné. Je vais aller un petit peu me régénérer en vie. Voilà, on se régénère. Voilà, c'est fait. On s'en va voir Baldur. Parce qu'il a un bouclier à nous vendre. S'il nous le vend pas, on le taxe. Non, c'est pas bien. On taxe pas. Attends, tu déconnes. Non. Oh non, putain. Là, vu qu'on n'est pas dans Cairn of Time, je n'ai pas le champ du soleil. Donc, il faut que je me promène dans la plaine jusqu'à temps qu'il fait jour. Ça, c'est génial. Oh mon dieu. Bon. Le début d'épisode fail, vous le sentez? Vous le sentez? Bon, on va attendre. On va se promener en plaine en attendant. Voilà, voilà les belles plaines d'Hyrule. À votre droite, je vais arriver à parler. Vous pouvez vous admirer le beau cri, puisque à votre gauche, vous pouvez admirer la noirceur, la nuit. Bref, j'espère que ça va pas être trop long. Je vais sûrement faire une ellipse jusqu'à temps que ça fasse jour, en fait. Si c'est pas trop long. Ouais, je vais faire une ellipse à tout. Re, les amis, ça fait assez longtemps que j'attends. Le soleil est sur le point de se lever, enfin. On pourrait aller acheter le bouclier il y a, enfin. Le bouclier que je voulais. Voilà. C'est vraiment cool. Ça m'a pris 5 minutes, je crois, même plus. C'est fou. J'ai aussi récupéré, je vais vous le montrer, dans les trucs de quête. J'ai récupéré, c'est pas très intéressant, c'est pour la quête annexe. Le cloporde mâle et le cloporde femelle. C'est tout. C'est pas grand pour la quête principale. Mais voilà, je les ai récupérés. Je vous dis, je vais peut-être le faire à 100%. Je ne le sais pas encore. Il faut encore attendre. Ok, je vais aller attendre dehors. Mais il fait soleil. Bon. Je vais juste attendre dehors. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je croyais qu'il était ouvert. Surtout que c'est pas la musique pour savoir quand qui s'est ouvert. Je vais attendre. Bref, on attend quelques temps. Regardez le beau village qui est tout défait. Je pense que c'est le zoo. J'espère. Voilà. C'est chiant comme ça parce que je pouvais pas jouer un chant comme dans Ocarina of Time. Donc là, il fallait que j'attende et c'est super palpitant. Non, c'est pas. C'est vraiment pas palpitant, mais je l'ai fait.
tout simplement pour l'avoir, pour pouvoir commencer l'épisode. Ok, je peux. Yeah, c'est cool. J'ai réussi. Enfin, bon. Oh, salut Link. Gros con, tu me le vends, mon bouclier ilien. Merci. Non, je m'en fous, là. Ça m'a tellement pris de temps. Non, c'est ça pour l'équiper. Voilà, on l'équipe. Voilà. Enfin, je l'ai. C'est cool. On peut quitter. Après, je sais pas combien de temps. Ça m'a pris un bon 5 minutes, je crois, pour l'avoir. Bref, là, on s'en va sur le monde de la mort. On commence l'épisode. Rien s'est passé. Donc, hello tout le monde. Ici Gamer King pour ce nouvel épisode de Zelda Twilight Princess. Voilà. Bon, on commence là. On s'en va vers le second temple là, qui se trouve vers le village des Gorons. Sur le monde de la mort. Sur le monde de la mort. Voilà. On est bientôt arrivé. On est arrivé en fait. Puis il faut qu'on aille voir le chef pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les Gorons. Parce que c'est pas normal que les Gorons soient aussi hostiles. Bonjour. J'ai oublié d'équiper quelque chose. Ah, encore lui. T'obstines pas, ça ne sert à rien. Je vais te jeter dehors. Ah oui, ah oui, ah oui, tu crois? Tu crois ça? Allez. Va-t'en. Bye bye. Là, ça c'est cool, je n'ai pas la musique ou le son. Donc je ne saurai pas quand un Goron me foncera dessus comme ça. Va-t'en. Parce qu'il faut que j'aille mes bottes de fer, sans ça, je n'y peux rien sur les Gorons. Donc, c'est pas très le fun. Comme ici, il y en a un autre qui me fonce dessus. Puis, on les aide comme ça. Ils vont tous vers le village Cocorico. Aucun respect, Link. Sérieux? Aucun respect. Ici, il y en a un autre qui vient. Allez, on maintient. Puis, on l'expulse. Voilà. On continue. Voilà, on monte. On monte. Et on monte encore. Mais ils se voient assez facilement quand ils arrivent. C'est vraiment cool. Donc voilà, on l'enlève. Là, on peut continuer. Ouais, c'est ça, ils se voient assez facilement. Là, il y a des mobs, je sais pas où qui sortent. Mais vu qu'ils n'ont pas d'armes à distance, à part le lance-pierre, je ne les attaquerai pas. Oh, c'est très beau, on voit tout l'extérieur de la map. Bref, on l'a pas vu, on le voit plus, mais on l'a vu. Ça, c'est très beau. Bref, on peut continuer. Comme ça. J'ai vraiment peur de prendre des Gorons. Ok, il y a une éruption. Une éruption, c'est pas trop grave. Voilà, on se mange des météorites. C'est tellement le fun, les météorites. Oh mon dieu. Un humain sur notre territoire, vite. Allons avertir le chef. Ok, bon. Voilà, ils vont avertir le chef Goron. Parce que je ne suis pas censé être ici. Voilà, je vais essayer d'y aller. Ah, oh, ça m'a fait mal. Va-t'en. Bon, il faut que je fasse ça. Il faut qu'en fait, je les frappe. Puis après, je fais attention. Puis, bon, ok. Bon, je vais réussir à parler. Ça va être utile plus tard. On va aller voir où. Oh oh, ça a l'air vraiment dangereux. Le monde de la mort n'a pas l'air de porter ce nom par hasard. Ah, tu déconnes. T'as raison, Midona. Waouh. Voilà, on monte comme ça. Là, je passe comme ça. Il faut tout simplement, en fait, frapper les Gorons. Puis après, monter dessus leur dos pour pouvoir... qui nous propulse. C'est assez simple. Et c'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Donc bye bye.
Je voulais pas te voir. Je voulais voir lui plutôt. Salut. Est-ce que tu vas bien? Tu veux-tu être mon ami, s'il te plaît? Ok, il veut pas être mon ami, mais tiens. Qu'est-ce que je pense de ton amitié? Voilà, on monte comme ça. Puis là, lui aussi, on fait la même chose. La même chose. Ah, puis le... T'es la, vous savez la source d'eau saute qui est en bas? Les Gorons ne nous attaquent pas si on est là. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis on peut se régénérer, je crois, aussi. C'est très important de mettre les bottes de fer parce que la bourrasque qui nous fait nous propulse, tout simplement. Donc c'est vraiment très important, les bottes de fer, ici. Ici aussi. D'ailleurs, je m'en rappelais. Une chance. Une chance. Puis, je crois qu'il y a un autre, en fait. Ouais. Donc, je garde les bottes de fer. Et je le propulse encore. Bye bye. Bon, on peut continuer. Là, on prend un petit cœur au passage. C'est toujours apprécié. Ah, ça me... Honnêtement, je vais vous le dire, ça me mélange que ce soit en miroir comme ça. Ah, je pensais qu'il m'aurait fait un coup de bouclier, Link. Voilà, comme ça, puis après tu frappes. Ça me... Honnêtement, ça me perturbe... Je suis perturbation avec cette inversion de caméra. Oh, ça fait mal. Protège-toi, go. Allez, vite, dépêche. Ouh, je l'ai, yeah. GG. Voilà, je vais mettre les bottes de fer parce que je sais qu'est-ce qui nous attend l'autre côté. Vous allez voir. Voilà, on est un petit peu lent, mais je sais qu'est-ce qui arrive. Voilà, on se fait attaquer par plein de gorons en même temps. Ça, c'est cool. Non, c'est pas ça. Arrêtez! Cet humain est-il si imposant que vous avez besoin de l'attaquer en bande? Je ne crois pas, mes frères. Je suis l'un des doyens des Gorons. Mon nom est Gor Gobalt. Je dirige la tribu en l'absence de Morok, notre chef. Il roule les airs en passant. C'est cool. Viens-tu du village d'en bas, humain? Je suis impressionné que tu aies pu venir jusqu'ici. Tu dois être très fort pour un humain. Mais les mines au-delà de ce point sont pour nous un lieu sacré. Et il est hors de question de laisser un étranger y entrer. À moins que tu ne mesures ta force à la mienne et que tu l'emportes, en as-tu le courage? Ouais, toujours. Link a toujours le courage. Et ça, c'est la partie la plus fun parce qu'on joue au sumo avec le doyen Morok. C'est vraiment cool. Là, il frappe. Mais j'ai les bottes de fer. Donc, je risque de l'avoir plus facile que ça, en passant. Parce que il m'expulserait avec les bottes de fer. Sans les bottes de fer, il m'expulserait. Oh non, il m'a skip le mec. C'est fou. Voilà. Il m'a un petit peu esquivé. Ah non, par ici. Va-t'en! Allez, on frappe. Mais non, mais comment t'as réussi? Allez, comme ça. 1, 2, 3. Comme ça. Ouais, c'est parfait. Comme ça. Ouais, parfait. Je l'ai expulsé. C'est parfait. Jeune guerrier. J'aime cette lueur dans ton regard. Et pourquoi pas après tout? Ok, je pensais qu'il recommençait. Je suppose que tu as remarqué les éruptions incessantes
Lorsque la montagne a changé, nous, les quatre doyens et notre chef, Morok, sommes... Non, c'est Gorgobat, Morok, c'est leur chef, je me suis carrément gouré. Sommes allés voir ce qui se passait dans la mine. Et il le fallait, nous y gardons un trésor que le grand esprit Ordin nous a confié. Mais lorsque Morok a touché le trésor, il s'est écroulé pour se relever sous les traits d'une créature effroyable. La rage destructrice qui l'habite s'est dessinée sur tous ceux qui l'ont approché et les éruptions ont redoublé de fréquence. Au prix de vaillants efforts, nous avons réussi à l'enfermer dans une salle au plus profond de la montagne. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. Humain, écoute ma requête. Tu dois sauver Morok. Je suis sûr que c'est le grand esprit qui a guidé tes pas jusqu'à nous. Moi, Gorgobat, je ravale ici ma fierté et te demande à genoux, de nous aider pour le bien de notre tribu. Vous deux, laissez-le passer. Allez, merci de décamper un petit peu. Laissez passer le héros de la légende et je peux enfin entrer dans le deuxième donjon. C'est cool. Ah, ok, là les mines Goron, on est rendu dans les mines Goron. Je trouve vraiment l'épisode court. Mais j'ai pas le goût d'entamer le nouveau donjon dans cet épisode. Ah, j'ai vraiment pas le goût, je pensais que ça aurait été plus long faire le monde de la mort, mais non. Je vais arrêter ici. Ah, oh, je sais pas. J'ai goût d'arrêter ici. Mais en même temps, je trouve l'épisode assez court. Je crois arrêter ici. Ouais, je vais arrêter ici. Désolé, je vais arrêter devant cette montagne de lave. Parce que j'adore séparer mes épisodes en fait en partie. Puis les mines Goron, un deuxième donjon en fait, c'est comme une deuxième partie pour moi, une autre partie. Pas la même que aller voir le chef pour nous laisser passer. Donc, je vais arrêter là. Je suis vraiment désolé s'il est plus court que les autres. Mais, voilà, je vais essayer de me rattraper dans le prochain. Je garantis rien, mais je vais essayer. Bref. En espérant que cet épisode vous ait plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, dans le prochain épisode, on va aller visiter les mines Goron, le second donjon. Voilà, on peut le voir ici avec ce feu majestueux, je sais pas, je n'ai pas trop de rimes. Voilà, et ça s'est bien passé la lutte avec... le doyen Gorgobat, je crois. Voilà. On va s'arrêter ici. En espérant que ça vous ait plu. Donc, en attendant, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Zelda Twilight Princess HD. En attendant, portez-vous bien. Et bye tout le monde. Allez, bye bye.